direction Brapanon, à présent la Mecque des sports d'eau vive à La Réunion. Ken et Rémi nous entraînent dans une descente vertigineuse avec jump et freestyle. C'est du kayak, c'est parti, on envoie. Alors moi j'utilise un playboat, c'est des petits kayaks qui sont assez manœuvriers, qu'on peut utiliser en rivière comme en mer. Pour jouer dans l'eau vive, simplement. Certaines pratiques. Il y a toujours des bateaux faciles par lesquels on passe avant de passer sur ce type de bateau. Il faut un peu d'expérience. Quoi. L'intérêt, c'est qu'on peut faire des figures, on peut faire du freestyle, c'est fun. Le kayak, c'est un apprentissage en fait. On ne va pas commencer à faire de la mobylette en commençant par une moto. On va commencer sur des kayaks plus ou moins adaptés à ton gabarit et puis à la pratique que tu veux. Il faut savoir que le kayak, ça regroupe presque une quinzaine d'activités différentes entre le kayak de mer, le kayak de rivière, le wave ski, le kayanoé de randonnée, puis tous les gonflables, le rafting, l'hydrospeed et tout ça. Donc. C'est des chutes assez hautes hein, qui vont de 7 à 2 mètres quoi. Donc une sensation de vitesse, une sensation de vertige. En fait, tu as toujours une petite appréhension avant de passer le seuil ou la chute. Et puis bah, quand tu te libères, bah, tu plonges dans l'arc-en-ciel. On a embarqué en dessous le bassin La Paix. On a commencé par un seuil qui fait, enfin une chute qui fait 6-7 mètres, ensuite enchaîné d'une chute de 3 mètres. Après, on est arrivé à un endroit qu'on appelle le Y. Puis après, c'est un enchaînement de seuils divers, de deux avec des petits couloirs, que du fun quoi.